مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم. بل لا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطع واسجد واقترب. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Aujourd'hui c'est lundi. Lundi le 8 Rajab. Rajab, c'est le septième mois de l'année islamique. Ça fait partie des quatre mois sacrés. Le 8 Rajab 1444, qui correspond le combien? Le 30 janvier 2023. Inch'Allah, nous sommes presque à la fin des vers, la fin des suratou Alaq. Iqra. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir nous parlé valeur de la connaissance et l'enseignement aussi, la science, on a dit les cinq premiers versets qui sont là-bas, ce sont les premiers versets qui sont descendus dans le Coran. Après maintenant, le reste là, beaucoup de Mufassirouna dit que Allah ciblait quelqu'un parmi les ennemis des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, parmi ceux qui étaient contre l'islam et surtout contre le prophète lui-même. Beaucoup de Mufassirouna dit que c'est Abu Jahl. Mais dans le usul, on dit que si y a une parole, al-ibra bi umum al-alfaz, la bi khusus al-asbab. On regarde bien, si quelqu'un a fait même acte que Abu Jahl, lui aussi, il est dedans. Abu Jahl était contre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à il est arrivé qu'il dit, lui, il ne va jamais laisser le prophète de prier. S'il voit prier, il va aller piétiner sur son cou. Il a tenté à le faire. Mais malheureusement, je peux dire heureusement pour lui. Heureusement. Heureusement pourquoi? Il a tenté qu'il va aller empêcher le prophète de prier. Il s'est freiné. On l'a dit, mais pourquoi tu n'as pas été? Il dit, oh, ce que j'ai vu, c'est très dangereux. J'ai vu une fosse comme ça, ou bien c'est une fosse, il y a du feu dedans, et je vois les choses qui ont des ailes. Le prophète a dit, Wallahi, s'il s'approchait de moi, les malaïka allaient lui prendre flagrant. Tout le monde va lui voir ce qui va se passer. C'est pour cela que je dis, heureusement pour lui. Tu vois? Donc, des choses comme ça, il a fait beaucoup de choses. Et puis, il comptait sur quoi? Il comptait sur, parce qu'il était chef,
il a un peu de fonds, il a des amis, tout le monde s'élève, on va aller chez Abu Dhabi. Là où il reste ensemble avec ses amis-là, celui le chef, chef des grains. Hein? Celui le chef des grains. Vous connaissez le grain? Oui. Ça, c'est le mot malien. Hein? Là, il faut leur grain, là, lui le chef. Donc, il comptait sur tout ça. C'est pour cela ici, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah lui a répondu. Lorsqu'Allah parlait valeur de la connaissance, et que musulman doit apprendre. Musulman ne doit pas croiser le bras, rester dans l'ignorance, ce n'est pas bon. Il faut laisser les enfants musulmans n'ont qu'à apprendre. Ils n'ont qu'à être diplômés dans tout. Si on cherche les fonctionnaires, ils sont dedans. On cherche les scientifiques, ils sont dedans. On cherche les philosophes, ils sont dedans. On cherche quoi les ingénieurs, ils sont dedans. Pas dans tout, dans tous les domaines. C'est ce qu'Allah dit. Préparez-vous avec tout le moyen. Tout ce que vous savez qu'il peut passer par ici pour gâter votre islam, soyez là-bas. Aujourd'hui, on ne passe pas par les fusils, ni par les épées, ni par les flèches qu'on va combattre les musulmans. Non, non, non. C'est avec la science. Alors, les musulmans aussi doivent apprendre pour défendre l'islam avec la science. C'est tout ce qu'il faut faire. Sinon, si on reste comme ça, tout ce qu'on fait, ça là, ils n'ont pas fait pour rien. C'est contre les musulmans. C'est contre les musulmans. Vous êtes où? Ils n'ont pas pris les armes. Si c'est la technologie, vous êtes où? Faites la même chose. Si c'est médecine, c'est la même chose. Si c'est autre chose, c'est la même chose, c'est tout. Ce n'est pas haram. Ce n'est pas haram. Allah dit tout ce qu'il a donné, c'est que seulement si Allah n'a pas dit ça, c'est haram, tout est fait vert pour l'homme. Asloukoul shayba. Toutes les choses, toutes choses est valable pour l'homme, seulement si on trouve le test qui dit que non, 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 il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah mal insana ma lam ya'lam. Allah, il a enseigné l'homme, il a donné l'homme des choses, ce que l'homme ne savait pas. Wallahi. Allah mal insana ma lam ya'lam. Chaque jour, l'homme, il fait des choses de nouveau. Avec l'évolution de la technologie, même là. Ce matin là, j'ai vu, mais c'était hier. On a fait un robot maintenant là, mashallah. Le robot là, on dit à peu près jusqu'à 2000 combien là, il y aura 1 million de personnes qui vont être en chômage. Parce que le robot là, ils vont prendre la place de celle. Avec tout cela, vous vous dites que vous allez à l'Europe. Je ne sais pas, on n'arrive pas à comprendre. Ils sont en train de fabriquer des robots de tout ça là, pour remplacer l'homme. Il a un robot, le robot travaille pour lui 24 heures. Il ne lui paye pas. Toi, tu vas aller là-bas, il doit t'engager pour travailler. Déjà, il y a un robot là-bas. Il va se fatiguer pour te prendre. On est en train de se suicider pour lui qu'on va aller à l'Europe. Je ne sais pas, on va aller chercher quoi là-bas. On entend, on ne voit pas eux-mêmes dans leur chose là, quand ils font vraiment leur sondage de chômage là. Tu vois, ça ne va pas. Un chef qui va venir, s'il n'a pas pu lutter contre le chômage, il va partir. Mais il ne peut pas. Vous avez beaucoup d'exemples. Regarde Togo, celui qui est à Air Bukina là-bas. Au début, c'était pour moi. Tu vois, les gens sont alliés jusqu'à là-bas. Les gardiens sont là-bas. Il y a les gens les prennent pour vous mettre en ligne. Il y a les gens qui rentrent dedans. Mais maintenant, tu es dans la chambre. On est allé là-bas, dans la chambre, tu fais tout. Mais là, les gardiens n'en sont pas tous. Chômage. Les agences qui étaient là-bas, les gens qui travaillent là-bas, ils sont partout. Sommage. C'est tout. La science évolue, mais toujours ça amène encore autre chose. Ça crée des problèmes. C'est pour cela, quand tu travailles, tu apprends, tu connais des choses comme ça, surtout, vraiment, comment, ce que vous appelez maintenant, la technologie qui est développée maintenant, là, si l'informatique, tout ça là,
Les enfants doivent apprendre ça, vraiment. C'est très important. Parce que le monde, maintenant, ça va. Vous pouvez vous lire. Avant, c'est la force qui travaille, qui va gagner. Maintenant, ce n'est plus ça. Maintenant, c'est avec les connaissances. Tu es là, un peu de travail, tu gagnes, sans fatiguer. Mais on est là, on laisse les enfants comme ça, ils sont là pour mener vis-à-vis. Jusqu'ils vont grandir, c'est fini. Hein? Vous voyez les capitales, là, les Agbédé, là, tout ça, ça va disparaître. Quand ils donnent des mécaniciens, là, parce que la voiture est mécanique, c'est pour cela que vous dites mécanicien. La voiture, maintenant, on est en train d'abandonner les mécaniques. Tout devient électronique. Mécanicien va aller où? Devant électronique, mécanicien va faire quoi? Hein? Vous ne voyez pas, même aujourd'hui, avec mécanique là, tu vas au garage, si tu as un problème, on dit que ah, ça c'est électronique, ça c'est électricien, appelle l'électricien. Donc ça veut dire que le mécanicien n'a qu'à plier ses bagages. Bientôt il va partir. Voiture électronique, tu vas faire quoi? Ce n'est pas marteau qui va marcher là-bas, ce n'est pas le pince. Non? Ou bien, vous avez déjà les motos maintenant, sans roule, sans bruit, batterie seulement. Ou bien, c'est déjà donnant. Qui n'attend pas. Et si ces motos-là, vous les voyez chez les. Comme là, à Guédé, mécanicien là, il n'allait pas là-bas. Donc, c'est pour deux enfants. Wallah, il ne devait pas s'amuser. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Si vous croisez les bras restés comme ça, c'est zéro. Douleur est déjà partie. Le monde est volé. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit Kalla. C'est vrai. Kalla. Haqqa. Wallah, c'est vrai, innal insana, l'homme, la yatawa. L'homme, vraiment, il exagère trop. C'est vrai, l'homme exagère. L'homme, il veut franchir la ligne rouge. L'homme déborde trop. Il va déborder franchir. Quand tu es sur le fait, Andra'ahu, surtout, si l'homme, il se voit starna, il s'est suffi de lui-même. Si l'homme voit que vraiment par jour, les gens qui ont besoin de lui sont beaucoup que ce que lui a besoin de lui, c'est fini. S'il n'y a pas l'islam, c'est fini, il est foutu. S'il n'y a pas la foi en Dieu, il est foutu. Cette fois, il va montrer comme ça, gros dos. Parce qu'il voit par jour des centaines de gens viennent le chercher. Donc ça veut dire que c'est moi que les gens ont besoin de moi. Ou bien, il stagne. Et il se voit, il se suffit de lui-même. Lui ne veut pas venir vous dire que j'ai besoin de ça. Non, c'est les gens qui viennent de dire qu'on a besoin de ça, on a besoin de ça. Ah, ça là n'a pas lui dit, c'est fini. Que ce soit, c'est par l'argent, que ce soit par pouvoir, que ce soit par autre chose. Hein? En tout cas, l'homme, quand il se voit vraiment, il se suffit de lui-même, dans de beaucoup de choses, il devient vraiment autre chose. Seulement, s'il y a la croyance, le croyant toujours, avec la croyance, il maîtrise la situation. C'est pour cela, quelque part, Allah dit, innal insana khuliqa halu'a, idha massahu sharru jazu'a, wa idha massahu al-khayru manu'a, illa al-musalli. Khalas. Illa al-musalli. Donc, on a dit ça, on va répéter encore. La religion, c'est la religion qui va régler le moteur de l'homme pour que l'homme ne déborde pas. Si vous avez vraie religion, vous êtes musulman, vous comprenez bien votre islam, ça va régler la situation. Ça va vous aider. Ça va vous aider beaucoup. Parce que vous n'allez pas faire le contraire. Inna l'insana la yataga arra'ahu stagna. Mais Allah dit, et pourtant, malgré tout ce qu'il fait, Muhammad, tu ne vois pas les Abu Jahal, tu ne vois pas les Abu Jahal comment ils sont, comme il voit qu'il a l'argent, il voit que les gens sont autour de lui, tout le monde parle de lui, abahakam. Allez, il est devenu quoi? Tawa. Il est devenu quelqu'un, il fait gros dos. On parle de Allah, il rigole. On parle de l'islam, il dit non. Allah dit, mais toi, ne vous inquiétez pas, Muhammad.
ne prends pas part en souci. Laisse-le. Inna ila rabbika ruja'a. Wallahi. Tout le monde va retourner vers Allah. Ruja'a. Le retour sont vers où? Vers Allah. Nous tous on va retourner là-bas. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas aller. Dès que tu es venu dunia, tu ne refuses pas de retourner. Ou bien, c'est comme ça, notre frère, chef de l'État dit, ou bien, il dit, celui qui n'a pas refusé de venir, il ne peut pas refuser de partir. Il y a des mains dit ça. Ou bien, donc, dunia là, si tu es venu, tu vas partir. Tu veux, tu ne veux pas. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas partir. Allah dit, inna ila rabbika ruja. Khalas. C'est pour cela, avec cette mot-là, qu'un musulman est tranquille. C'est pour cela, quand tu le fais, tu as montré ta puissance, tu as montré ton ardeur, tu as montré la force que tu as devant un musulman qui ne peut rien faire. Il va dire, mon frère, Allah est là. Parce qu'il sait qu'il y a, rendez-vous, c'est là-bas. Il sait qu'on va se retrouver là-bas. Wallahi, mes frères, s'il n'y avait pas Kiyama, c'est grave. Hein? S'il n'y avait pas Kiyama, vous croyez que nous, on pouvait rester avec les Pharaons sur la terre, là. S'il n'y avait pas la mort, nous, avec les Pharaons sur la terre, là, ici. Ah, c'est le problème, là. Mais la mort, là, c'est bon. Hein? Ah, mais on ne veut pas attendre ça. Sinon, c'est bon. Hein? Ça arrange beaucoup de choses. Yom al-Kiyama, c'est bon. Parce que tu vas voir un miskin, un pauvre. On l'a fait du tout, on l'a fait. C'est-à-dire, il est là, il ne peut rien faire. On a arraché tout son droit. On l'a fait tout. Il ne peut rien faire. Il attend quoi? Il a l'espoir, Yom al-Qiyam. Parce que c'est là-bas, arrivé là-bas maintenant, il n'y a plus patron, il n'y a plus qui là-bas. Le seul patron là-bas, le seul roi là-bas, c'est qui? Malik al-Mulk. C'est le roi des rois, Allah. C'est lui seul qui va juger. C'est pour cela qu'il a dit Malik Yawmidin. Mais Malik Yawmidin. Tu vois? Les jours-là, tout le monde est égal. On est égaux. Il n'y a pas l'habit. Il n'y a pas chapeau. Il n'y a pas chaussure. Comment tu es, c'est comme ça que tu vas retourner. Vous voyez? Hakada. Idan Allah dit Inna ila rabbika ruja. Le retour, c'est là-bas. Donc, ne vous inquiétez pas. Si quelqu'un, il est devenu dictateur sur vous, il vous a agressé, il vous a fait, il vous a fait, vous savez que ça ne va pas. Tu ne peux rien faire. Oh, laisse. Laisse pour toi, Allah. Yom al-Qiyam est là-bas. Le prophète a dit ça. Le prophète a dit dans la fin du temps, il y aura athar. Il aura des choses, les biens de tout le monde, une seule personne va confisquer ça. Il y aura des choses que vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. On a dit à Rasoulallah, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit non, donnez-les leur droit. Espérez pour vous auprès de Allah. Alors, espérez pour vous auprès de Allah. Quelqu'un l'a été fait du mal. Toi aussi ne dis pas, comme il me fait ça, moi aussi je vais venger. Non, 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 non. L'islam n'appelle pas vengeance. Non, non, non. Toi, donne pour toi Allah. Allah va venger pour toi. Prophète Salama, vous ne voyez pas son histoire. Il a souffert. Les gens-là l'ont fait tout. Et c'est sa famille même. Mais, prophète est parti de Taïfa. Les gens de Taïfa, ce qu'ils ont fait à prophète, c'était pire. Il a quitté Makkah qui va aller Taïfa en espérant que vraiment, avec beaucoup d'espoir, qu'il va gagner, les gens vont rentrer en islam. Mais là-bas, c'est devenu pur. On a appelé les fous et les enfants. Derrière lui, on les lapide avec des cailloux, on lance des cailloux. Partout, c'est devenu du sang. L'ange, un malaïka est venu lui proposer, Mohammed, je suis responsable. Allah m'a confié la responsabilité des montagnes. Il suffit seulement de demander à Allah qui me donne l'ordre. Je vais écraser Taïfa. En fait, ça dit, j'ai l'espoir. Si ils n'ont pas rentré, peut-être leurs enfants, leurs descendants vont être croyants. Aujourd'hui, Taïfa est comment? C'est pire. C'est pire l'islam. C'est la patience que l'islam veut de vous aussi.
C'est l'enseignement que votre prophète a donné. Quand quelqu'un il te fait du mal, faut patienter. Faut prendre le colère. Lui, il a dit, il veut l'écraser. Quoi? Tu ne peux rien faire. Laisse-lui. Allah, il voit. Allah connaît tout. Hein? Jusqu'à ce qui fait encore que prophète, wallahi, il a pitié trop. Jusqu'à prophète a conseillé les musulmans. Il dit, malgré que quelqu'un t'a fait du mal, ne prie pas contre lui. Là, t'as droit à la hâte. Ne dit, prie pas, oh Allah, il faut lui maudire. Allah, faites-lui comme ça. Prophète a dit, non, ne fais pas. Ça veut dire que toi, il faut patienter ça. Laisse tout dans la main d'Allah. Mais parce que si tu as maudit quelqu'un qui t'a fait du mal, oh, lorsque Allah va prendre la malédiction là, toi-même, tu vas avoir pitié de lui encore. Comment Allah va lui punir, ah, tu vas dire si je savais. Le prophète a dit, voilà à la moine. Même l'animal, même l'enfant, il faut faire le maudit. Ne le fais pas. Inna ila rabbika ruja. Ara'aita alladhi yanha. Allah dit Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, s'il faut s'étonner, il faut s'étonner à qui? Alladhi yanha. Celui qui a courage d'empêcher, d'interdire, abdan. Un serviteur de Allah, il a sallah, ne veut pas prier. Si vous étonnez à quelqu'un, il faut s'étonner à la personne là. Celui qui interdit les gens de ne pas prier, subhanallah. C'est pour cela qu'on a dit, c'est Abu Jahal. Yanha Abdal Iza sallah. Abdal, c'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a interdit le prophète de ne pas prier Kaaba. Et toi-même, tu ne pries pas, c'est vrai. Mais quelqu'un d'autre aussi ne prie pas. Et c'est grave. C'est pour cela le verset là, les ulamas, ils prennent ça avec beaucoup de réserves. Même les hadiths de Salatu Tasbih qui est là-bas, qui n'est pas hadith authentique. Il y a une prière, on appelle Salatu Tasbih, que le prophète a dit à la personne. Je vous conseille, si tu peux faire ça chaque fois, ou même une fois dans ta vie, Allah va pardonner tous tes péchés. Salat ou tasbih, ils font un nombre de combien de subhanallah et de là. Vis à cette verset-là. Les ulama disent que si quelqu'un venait vous demander salat ou tasbih, ne lui dis pas directement de ne pas prier. Sinon, tu vas rentrer dans le verset-là. Tu vois, c'est ce qu'il vous base à dire. Il dit non, non, non. S'il est venu, dites-lui non. Tout ce qu'on a dit, comme récompense, ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai. Les hadiths n'est pas authentique. Et puis, tous les récompenses qu'on a dit, il n'y a pas ça là. Si vous voulez prier, prenez ça comme nafila, comme les autres nafila, c'est tout. Parce qu'ils ont dit, quand ils disent, oh, ne prie pas ça, ils ont peur de cette verset-là aussi. Ils ont prié, ils ont peur de ne pas rentrer dans cette verset-là. Vous voyez, Allah dit, oh, l'homme qui va empêcher quelqu'un de ne pas prier. Ah, la personne a le courage de... Quelqu'un veut faire pour Allah, tu dis non, tu ne fais pas. Lui-même il ne fait pas, il dit que quelqu'un d'autre ne fait pas encore. Ça, c'est le pire. Ah, tu ne fais pas, c'est vrai. Mais quelqu'un d'autre aussi ne fait pas. Ça, c'est trop exagéré. C'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh, ara'aita in kana al-huda. Ici, il y a deux versions de tafsir que l'ulama a amené. D'autres disent que toujours la parole continue, que ara'aita, il va empêcher de la personne de ne pas prier, tu le vois même si in kana al-huda, si la personne est sur la guidance, ou amara bitaqwa, ou bien il est en train d'exhorter de bien. Ça veut dire qu'il dit aux gens de faire du bien, avec tout ça, lui, il empêche de ne pas faire. C'est grave. Mais d'autres ont dit non. Ara aïta, inkan al-huda. Lui qui est en train d'empêcher les gens de prier, est-ce que si lui-même il arrive à choisir la guidance, est-ce que cela ne va pas être mieux pour lui? Certains ont mené cette version-là. Ara aïta, inkan al-huda.
Celui qui est en train de déranger, qui est en train d'empêcher de ne pas prier, sur lui-même, s'il arrive, dis-moi, si lui-même il arrive à se convertir et qu'il suit la vérité, il suit la guidance, est-ce que cela ne peut être mieux pour lui? Vous voyez? Ou bien il exhorte le bien. Est-ce que cela n'est pas mieux pour lui que d'aller empêcher les gens de prier? Les deux versions là. Mais d'autres disent que non. La majorité est partie pour les premières versions là. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Allah dit, oui, c'est la même personne encore. Il démentit parole de Allah. Wa tawalla, il tourne le dos. Il ne veut pas prier. Il ne veut pas accepter ce que Allah dit. Il est là. Il fait ce qu'il veut. Alam ya alam. Bi anna Allah yara. Ah, il n'a qu'à savoir que Allah lui voit. Il n'a qu'à être sûr que Allah yara. Tout ce qu'il fait, Allah il est au courant. Allah il voit tout. Tout ce qu'il fait contre les fidèles, tout ce qu'il fait contre la religion de Allah, Allah, il voit tout. Il connaît, il voit tout. Alors, il va le récompenser au malheur. C'est-à-dire qu'il va lui donner ce qu'il a fait. Si c'est bonheur, il aura. Si c'est le contraire, il y a ça aussi. Qu'Allah, mais tout ce qu'il fait, la illam yantay, s'il n'a pas cessé ce qu'il est en train de faire, et qui demande Allah pardon, qui retourne toujours, vous voyez, toujours il y a réserve. Allah n'a jamais donné quelqu'un, Allah n'a jamais désespéré, quoi, c'est-à-dire que toujours il donne l'espoir. Que ce soit le péché que tu fais, s'il a parlé sur le péché, il va laisser une réserve pour l'espoir. Que toi-même, tu vas dire que oh, si c'est comme ça, donc si je laisse ça, toujours tu as la chance. Allah dit sur lui, il n'a jamais fermé la porte. La porte est ouverte toujours. Tout ce qu'il fait, s'il n'a pas cessé ça, à ce moment, il verra la conséquence. Mais s'il laisse, c'est bon pour lui. Vous voyez? C'est comme ça l'islam dit. C'est pour cela, un musulman, il vit entre deux choses. Al-khawf wa raja. Musulman, il vit entre deux choses. Al-khawf. Des fois, quand il regarde les erreurs qu'il fait, il a trop peur. Avec nos temps là, avec nos saltes là, avec nos paroles là, il a peur. Raja, espoir. Des fois, quand il regarde les adorations qu'il fait, hein, mashallah, il a l'espoir. C'est comme ça qu'il faut vivre. Si tu as trop d'espoir, tu fais excès de confiance, tu vas piétiner, tu peux tuer l'homme même, tu dis Yahweh. Parce que tu as trop de confiance. Mais si tu perds l'espoir aussi, si tu es désespéré, oh, là-bas même tu es pire, tu vas dire que c'est pas la peine, je vais me fatiguer encore. Il y a des gens comme ça. Il est là, il dit, moi-même, je sais que là-bas, là, je n'ai rien. Donc, c'est pas la peine, je vais me fatiguer. Je vais faire tout ce que je vais faire avant la mort. C'est tout. Lui, là, ça veut dire que c'est fini. Il n'a plus d'espoir. Ce n'est pas bon. Rasoul sallam, il a visité quelqu'un. La personne, vraiment, il était malade. La manière que lui-même, la personne avec sa maladie est arrivée. Le prophète a dit, mais quelle prière que vous faites? Il dit, ya Rasulallah, là où je suis là, je prie Allah. Si vraiment Allah sait qu'il va me amener là-bas, Jahannama, vous m'y qui n'a qu'à faire descendre le feu, ça n'a qu'à me prendre ici, c'est mien, et là-bas, il va me mettre au paradis, c'est mien. En fait, il a dit, non, Allah, tu ne peux pas supporter ça. Tu ne peux pas. Il fallait dire que Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, Wakina Azabana. Wallah, Douaoula, ça prend tout. Quand tu fais Douaoula, tu as tout parlé, c'est fini. Les gens peuvent commencer depuis le matin, faire Douaoula jusqu'à le soir.
Quand tu dis Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar. Tout ce qu'ils ont fait là, ça aide à toi. Mais nous, on ne fait pas ça, non, non. Ce n'est pas droit, courte comme ça. Ce n'est pas l'homme qui compte. C'est la signification du mot. Vous avez dit que Rabbana Allah, Atina, Fidunia Hassan. On veut le bien des bas mondes. Le bien des bas mondes, là, il y a tout dedans. Il y a la santé, il y a l'argent, il y a les femmes, il y a les enfants, il y a tout ce qui est bien. Ou bien? Wafil Akhirat Hassana. Là-bas aussi, le bien. C'est quoi? C'est Al-Janna. Et encore, tu as confirmé, tu dis, Wakina Azabanar. Sauve-nous contre le châtiment de Jahannam. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Que voulez-vous encore? Si Allah répondit ça, tu veux quoi encore? Est-ce qu'il y a autre chose en dehors de ça? Dunya Hassana, là, tu veux quoi? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oh. Mais. Nous, si tu n'as pas commencé train, train, là, tu vas citer les wagons. Ouh, Amina, ouh, Amina, ouh, Amina. Ah, lui, c'est fait droit. C'est fou. Tu vas raccourcir ça seulement. Rabbana tina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar. Khalas, il y a tout dedans. Le prophète a dit à la personne, il dit, si tu dis ça, c'est mieux pour toi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit « La illam yantai, la nasu'an bin nasiya. » S'il n'a pas cessé ce qu'il est en train de faire, se repentir, demander à Allah pardon, il meurt comme ça, je vais lui prendre, je vais lui menacer. « Nasfa » veut dire quoi? Je vais tirer à Jazab. « Bin nasiya. » Les cheveux qui sont au front ici. Hein? C'est ce qu'on appelle « nasiya. » Allah dit « Je vais lui prendre par les cheveux qui sont au front ici. » Tirez ça bien. Nasiyatin kazibatin khati'a. Les chevaux, Allah, il s'adressait d'ici. Nasiya. Un menteur, s'il arrivait le lieu de la vérité, il fait quoi? Il baisse la tête. Là-haut. Ou bien, lui-même, il a su qu'il a menti, Ça ne va pas, il fait quoi? Il baisse la tête. Allah dit, on va prendre la tête là. Comme il a baissé, il sait que c'est mensonge. Nasiyatin kaziba. Khatia. Khatia. Les cheveux de mensonge, cheveux de khatia veut dire quoi? Il a fait exprès pour se mettre dans le rêve. Parce que, arabe là, il y a différence entre khatou et mukhti. Quand on dit khatou, c'est celui qui fait exprès, fait les choses, soit disant que oh, c'est erreur. Mukhti, c'est celui qui il n'a pas fait exprès par erreur. Oui. Khatou, ta'ammada fil khata. C'est comme il appelle qasitu et mukhsitu. Qasitu et muqsitu. Inna Allah yuhibbu. Inna Allah yuhibbu le qasitina, il dit muqsitina. Muqsitu, c'est qui sont normal. Qasitu, c'est malfaiteur. Les djinns ont dit quoi? Wa anna minna al-muslimuna wa minna al-qasitun. Faman aslama fa ulaika taharra wa tara. Wa amma al-qasituna fa kanu li jahannama hataba. Qasituna. Mais wallahu yuhibbul muqsitin. Al-qasit wal muqsit. C'est comme khati et muqtir. C'est bien compris. Donc, nasiyatin kazibatin khati'a. Parce qu'il y a les gens qui font ça. Ils font les erreurs, ils font les mauvais, soit disant que oh, c'est une erreur. Ok, il a fait exprès. Hada khati, hein? Sciemment. Il a fait sciemment. Vous voyez, il est là, l'heure de la prière même peut passer comme ça, il est au courant. Il a fait son business fini maintenant, c'est ce qu'il fait. Sa prière me dit que, vous avez prié, il n'a rien. Moi j'ai oublié mes mots. C'est faux. Il sait ce qu'il a fait. Il a fait sciemment. Il a commis les erreurs sciemment. Allah dit, quand je vais lui prendre Yom al-Qiyama, à cet âge-là, il comptait sur quoi? Faliya de Onadia.
Il n'a qu'à appeler les gens des grains qu'il était avec ses sympathisants, ses partisans qui étaient autour de lui. Il y a de Ounadia. Il n'a qu'à les appeler pour venir lui secourir. Parce que l'homme, quand il compte sur quelqu'un, il attend, quand il y a un danger, il va appeler, n'est-ce pas? Hein? Vous ne pouvez pas parler là-bas. Allah dit, fal y a de Ounadia. Comme ils disent qu'il a des gens autour de lui, etc., etc., fal y a de Ounadia. Il n'a qu'à appeler les gens qui comptent sur eux, les gens, ses camarades qui étaient avec lui. C'est pour cela, quand tu vas rester avec quelqu'un, il faut choisir les amis de. Ah. Radul ala dini khalili. Fal yandur ahdukum an yukhal. Faut faire choisir n'importe qui. Celui que tu vas avec lui chaque fois, jour et nuit, on dit, oh, c'est son ami, hein. C'est ce qu'on va dire, intime. Ah. Ça doit être quelqu'un vraiment, quand il y a chose de l'islam, parole de Allah, l'affaire de l'islam, l'affaire de Allah, qui t'appelle chaque fois. Ça, il faut t'accrocher de lui. C'est bon. Il veut votre bonheur. Mais celui que, quand on dit la prière, on va aller revenir là, il n'y a pas de problème. Si on n'a pas trouvé ici, on va prier ailleurs. Lui là, attention, celui que chaque fois il veut te dévier. Si toi tu décides de faire ce qui est bon, il va dire non, on va faire comme ça. Parce que les amis, yom al-qiyama, l'amitié de dunya, si ce n'est pas fait sur la crainte de Allah, ça devient le contraire. Ça devient al-adaw. Vous étiez amis, arrivé là-bas, vous êtes, vous allez devenir quoi? Ennemis. C'est grave. Parce que Allah dit ça. Va sur notre zukhruf, Allah dit ça. Al-akhillahu yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Allah dit, vous voyez les amis qui sont ici, oh, yawma al-qiyama, leur amitié là, ça devient le contraire. Sauf al-muttaqin. C'est qu'ils ont fait leur amitié à cause de Allah. Ils ont fait à cause de Allah, sur la voie de Allah, et là, leur amitié, ça continue jusqu'au paradis. Tu as aimé quelqu'un, tu l'as aimé à cause de Allah. Comme le prophète a parlé ça dans le hadith authentique, hadith d'Abu Hurairata, le prophète a dit, il y a sept personnes, sab'atun yuzilluhumullah fi dhilli, yawma la dhilla illa dhillu. Sept personnes qui seront sous l'ombre, les jours qu'il n'y a pas l'ombre, sauf l'ombre de Allah. Parmi les sept, là, il a dit quoi? Rajulani tahabba fillah. Deux personnes s'est aimé à cause de Allah. Ishtama alayhi wa tafarraq alayhi. Ils ont fait leur amitié à cause de Allah. Ils sont séparés encore, toujours c'est à cause de Allah. Que ce soit séparation, c'est fait par la mort ou mais par le voyage. En tout cas, le jour qui se sépare, toujours leur amitié c'est à cause de Allah. C'est là, yom al-qiyama, Allah va les mettre sous l'ombre. Le jour qu'il n'y a pas l'homme sauf l'ombre de Allah. Nous souhaitons que pour nous ça soit comme ça. Parce qu'on est là, on s'est aimé à cause de Allah. C'est très bon, quand c'est un accord de Allah, c'est bon. Yom al-Qiyama, ceux qui font leur amitié à cause de Allah, ah, ils ont un grand cadeau qu'Allah a préparé pour eux. Fal yad'u nadiya, Allah dit n'a qu'à appeler ses amis. Sanad ouzabaniya, mais moi à mon tour, sanad ouzabaniya. Nous, on va appeler les Zabaniya. Zabaniya, les gardiens de Jahannam. Les malaïkas qui sont là-bas pour transporter les gens, les amener dans le Jahannam. Yom al-Qiyama, ils sont là. C'est Allah dit, khuzuhu, prenez-le, c'est fini. Et il n'y a pas autre chose. Ils attendent seulement l'ordre. Ils vont amener les gens de Jahannam chez le directeur de Jahannam, Malikou. Malikou va dire, oh, si vous êtes arrivés ici, c'est que ça ne va pas. Allah qui a pitié de tout le monde comme ça, il a laissé de vous amener ici. Ah, ça veut dire que ça ne va pas. Trop, c'est trop. Lui, chez lui, il n'y a pas autre chose. Malikou. Oh. Donc, Allah dit, si lui n'arrive pas à appeler les gens qui vont lui secourir, en même temps, moi, à mon tour, ça n'a de aux Zabaniya. Nous, on va appeler les Zabaniya. C'est tout. Les Zabaniya qui sont là-bas, Allah, quoi? Que Allah nous protège, mes frères. Zabaniya, personne ne souhaite... Dès qu'on appelle Zabaniya pour vous. Zabaniya? Ah! Est-ce que vous attendez quelqu'un appeler son enfant Zabaniya?
Les gens là, ils font exprès pour donner de n'importe quel nom. Tu connais? Il faut appeler ton enfant Zabania. On n'a jamais entendu ça quand même. On aime les noms des Arabes, Arabes là. Mais moi, quand même, je n'ai jamais entendu qu'on appelait Zabania. Zabania, ça ne va pas. C'est les malaïkas qui sont dans les Jahannam. Yomal Kiyaman, quand tu vois les Zabania, ça ne va pas. Et là, ils sont là, ils attendent seulement l'ordre. Quand on leur dit le prend, c'est fini. Ils sont là, c'est comme les. Je sais pas, si je vais donner un petit exemple, il y a des brigadiers. En prison, là-bas, on dit brigadiers, prenez-les. Les brigadiers combattent, ils courent pour prendre. Les Abanias, Yomal Kiyama, c'est grave. Les Abanias qui prennent pour amener Jahannam. Certains ont le tir. Et, subhanallah, qu'Allah nous protège contre Jahannam. Tu vois l'homme, comment il va à Jahannam, il y a tous les modèles. Il y a tous les modèles. Certains, et vous avez vu, c'est rare que les prisonniers vont à la prison en l'aise. Même que ce soit le grade qu'il a, ceux qui vont lui prendre là, parce qu'il sait que là où il va rentrer là, c'est un lieu d'intimider quoi. Donc ils vont commencer à l'intimider déjà. Que ce soit le grade que la personne a, ou bien. Imaginez-vous ça, c'est dunia ça. Si les gardiens là-bas, quand on leur dit qu'ils vont aller en prison, ils ne regardent plus le grade, ils s'en foutent. Ça veut dire que là où tu veux aller, il n'y a plus de respect là-bas. Donc nous, on va commencer déjà. Tu vois, Allah dit, les gens de Jahannam, le prophète a dit, tu vas voir certains, les malaïkas les prennent par le pied comme ça, on les tire vers Jahannam. Certains, le visage, subhanallah, certains sont bien menottés. On les attachait correctement. Bien attachés même. Allez les jeter dans le Jahannam. Ce n'est pas parce qu'ils ont la force qu'ils veulent s'échapper au malaïka. Oh, ils vont voir quelle force. Pour s'échapper de Vania. C'est Allah même fait qu'on le fasse, comme ça. Les attacher bien même. Et les jeter dans les Jahannam. Donc tu vas voir beaucoup de modèles. Mais tandis que les gens du paradis, Yawma nahshurul muttaqina ila rahmani wafda. Quand, comment vous appelez ce cortège, non? Le côté des patrons, quand le côté des patrons va passer, c'est comment? Tu veux pas, tu vas applaudir. N'est-ce pas? Allah dit, les gens d'Al-Jannah, ils vont partir comme ça. C'est le côté que ça passe. Wafda. Mais là-bas, là, l'autre côté, on a soukul mujrimina ila jahannama wirda. Allah dit, sanad uzabaniya kalla. Mohamed, c'est ça qui est la vérité. Ce qu'on vient de te dire là, tout ce qu'il est en train de faire, tout ce que les mécréants font, tout ce que les gens font, si ce n'est pas ce que Allah dit, tout est faux. Là, tout est haut. Ne le suis pas. Ne suis pas un malfaiteur. Ne suis pas quelqu'un qui ne connaît pas Allah. Ne suis pas quelqu'un qui ne rentre pas dans l'affaire de Allah. Là, tout est où? Pourquoi tu vas le suivre? Laisse-lui. Tout ce qu'il a, tant pis pour lui. Il ne peut pas prendre ton charge. C'est Allah qui prend charge de l'homme. Nous, souvent, notre problème, c'est là-bas. Si quelqu'un s'occupe un peu de nous, on dit, oh, si tu es un peu comme ça, c'est mon patron. Ton patron va t'amener Jahannam, tu vas le suivre? Non, non, non. Là, tout est où? Allah t'a dit là tout est haut. Non, non, non. Celui qui t'appelle vers l'enfer ne le suit pas. Même si c'est un parent. Vous savez que dans la vie, première personne qu'on doit suivre après Allah, et le messager c'est qui? C'est le parent. Mais Allah dit, même les parents, s'il arrivait que wa in jahadaka, Allah an tushrika bi ma laysa laka bi ilm, voilà tout est haut. Allah dit, même les parents, s'il veut te mettre là où Allah ne veut pas, n'accepte pas. Et surtout quelqu'un d'autre. Le nombre de jours qu'Allah a accordé pour toi, mon frère, tu vas vivre ça. Ta vie là n'est pas dans la main de quelqu'un, c'est Allah.
Allah, le nombre d'années qu'il a accepté, il a accordé pour toi, tu vas vivre ça sans problème. C'est Allah qui a accepté. Vous ne voyez pas un fou, il est là, il travaille où? Le fou. Il a un travail, il a la maison, et bien pourtant, le nombre de jours qu'Allah a accordé pour lui, il vit, il est en bonne santé même. Parce qu'Allah a accordé ça pour lui. Toi, tu vas prendre nourriture, deux jours, trois jours, il s'est gâté, tu vas jeter poubelle. Lui, il fait, il tape ça bien même. Ça ne lui dit rien. Toi, il faut mettre à ta bouche, tu vas voir. Là-bas, ça doit nous dire beaucoup de choses, que c'est Allah. C'est Allah qui fait tout. Lui va manger, ça, il est en bonne santé. Il n'a pas l'eau, il a un frigo où? Il a peut-être l'eau qui est. L'eau salée, il fait comme ça. Il boit bien, il passe. Toi, il faut prendre ça. Tu vas avoir diarrhée verbale. C'est Allah qui fait tout. Donc, Allah t'a dit là, tout est où? Ne suis pas celui qui t'amène de Hanama. Toi, ce qu'il faut faire, wasjud. Il faut te prosterner pour Allah. Wasjud. Prier pour Allah. Waqtarib. Il faut faire tout pour mettre, pour t'allier avec Allah. Avoir contact permanent entre toi et Allah. Il faut t'approcher de Allah. Ne suis pas les bandits. Ne suis pas les gens qui n'ont pas de valeur. Il faut prier pour Allah. Waqtarib. Tu fais tes adorations, tes zikrs. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Voilà. Si tu es mort comme ça, même si dunya là, tu n'as pas trouvé ce que tu veux, al-janna, tu vas trouver ce que tu veux. C'est pour cela, Allah dit au paradis, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Tout ce que tu veux, il y a ça là-bas. Parce que dunya, tu ne peux pas trouver ce que tu veux. Mais Allah va te priver, tu n'as pas trouvé dunya, tu n'as pas trouvé al-janna aussi. Oh, c'est Khusran Moubi, c'est grand-père ça, qui Allah nous protège contre. Donc c'est ça, là tout est au wasjud waqtar. Toi, il faut prier, il faut t'approcher à Allah, c'est tout. C'est ce qui est bon pour toi. Mais suivre les bandits, suivre les gens qui n'ont pas de choses à cause de dunya, il va te faire quoi? Combien il va te donner? Souvent même quand tu suis quelqu'un comme ça là, qui devient la queue pour lui, rien. C'est quelqu'un d'autre qui va profiter. Toi, que tu es là-bas, là, tu vois, il est en train de donner les gentils là comme ça. Moi-même, patron, là, il ne me regarde même pas. Hein? Toi seulement, c'est pour t'envoyer les 25 fois, les 15 fois qui vont rester, tu vas prendre ça. Mais tu es là, il va donner à quelqu'un, cache comme ça. Tu es là, tu fais comme ça. Tu grattes la tête. Compte sur Allah, travailler. C'est tout. Qu'Allah nous donne bonne compréhension. Non, Azim. Et quoi? Nous sommes à la fin de Sourate Al-Alaq. Ce qui est correct, qu'Allah nous récompense, qu'Allah facilite la pratique pour nous, les erreurs, qu'Allah nous pardonne. Coran, quand même, vraiment, Coran, c'est pratique. Ah, Coran, c'est pratique. Tu as compris? Va pratiquer, c'est tout. Ça va t'arranger ici jusqu'à l'au-delà. Mais écouter seulement sans pratique, comme David dit, comme on veut. Hein, ça, les Sahaba n'étaient pas comme ça. Et c'est la pratique. Voilà. Donc avec ça, ils ont profité beaucoup. À cause des pratiques, ils ont profité beaucoup. Dans la dunya, dans la vie, pas moi ici, jusqu'à Yom Al-Qiyam. Mais nous, comme on veut seulement chanson là, on n'a qu'à chanter seulement. Ah, pratique là à côté, c'est ça qui nous a causé beaucoup de problèmes. Qu'Allah nous protège. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.